Bonjour et bienvenue dans Jedi Fallen Order Star Wars. Et je sais pas faire ça. J'ai toujours pas le rythme dans la peau ni dans la voix. Mais c'est pas grave, le jeu démarre. Hop hop, nouvelle session d'enregistrement, ce qui veut dire que je suis perdu. Essentiellement. Il me semble que je devrais être dans le vaisseau à ce stade. Mon micro il coupe quand je parle trop bas dedans. Donc je suis devant le vaisseau, ce qui est pareil. Donc globalement on avait libéré les Wookiees. Et on n'avait pas trouvé le chef Tartuffe là. Et on avait débloqué plein de trucs qui nous permettaient d'aller faire plein de machins sur plein d'autres planètes. J'ai très envie aujourd'hui de revenir en arrière. Pick anywhere except Dathomir. Hate that place. Alors Dathomir, c'est là qu'on va. Non. On a exploré 23% de Dathomir, 62% de Bogano, 36% de Zepho et 31% de Kashyyyk. Objectif principal, Zepho. Et Bogano, c'était quoi déjà? Attendez, Zepho 36%. Bon. Bogano, je crois que c'est la première planète. Attendez, c'est facile. Hop. Ouais. Où il y avait des endroits qu'on pouvait pas aller. Est-ce qu'il y a des endroits où qu'on peut aller maintenant? Alors là, il y a un truc qui est vert maintenant. Là, il y a aussi du vert. Il y avait le gros crapaud ici. J'ai bien envie de réessayer ça maintenant que je suis... maintenant que j'ai une vague idée de ce que je fais et que je suis aussi ouvert à l'idée de baisser la difficulté du jeu. Je l'ai pas encore fait, mais... And did you? Ah, on décolle. Tombs and temples related to the Zepho and Jedi. But I hit a limit. To him, there was no limit. The poor crazy old guy was left alone. He was always alone, even when I was with him. He cared about the future more than anything else. He didn't have the time. He was always on the move. Magana was the first place I ever saw that looked like he settled, even for a brief moment. C'est un des meilleurs écrans de chargement qu'on peut faire. Alright, we're here. Get in your chair. Si on pouvait s'asseoir avant d'arriver, par contre, ce serait sympa. J'avoue, je suis quand même... C'est beau. Le vaisseau qui a besoin de se... L'aileron qui a besoin de se tourner pour revenir de vous. Donc, ici, c'était une planète relativement peu hostile, à part pour ses gros crapauds. Et il y avait 2-3 bricoles à faire, notamment là-dessous. On va commencer par ça. On va y aller tout doucement. Ça, c'est le bouton pour bloquer. C'est celui dont j'ai besoin en général. Ça, c'est le bouton pour faire ça. Et ça, c'est le bouton pour faire... Hop ! Voilà. Parfait, on a tout ce qu'il nous faut. This is the same kind of sphere and socket from Zepho. What do you think exact. It does? Pour ça, bou bou bou. Alors toi, merci. We'll find you a home. Ok. Ça avait l'air super mignon. Et j'ai obtenu un compagnon Bogling. What? Passager clandestin, jetez un œil à bord du Mantis pour découvrir votre nouvelle. Il y avait que ça ici. Ok. Alors, il y a un bout de niveau qui s'est mis dans ma carte. Alors, moi je trouve ça cool, hein. C'est bon. Attendez, le jeu me dit que je peux passer par là. Oh, j'ai pas l'impression de pouvoir vraiment. On peut zoomer. Le jeu me dit que je peux...
Ah, c'est peut-être comme ça que je peux en fait. Ok, on va arrêter d'y aller comme un bourrin. On va y aller comme un autre type de bourrin. Voilà. Pas du tout. Faut que je la mette. Ça va être injouable ça. Faut que je la mette sur le rocher. Ok, on va la laisser rouler, voilà. Hop! Ça marche ça? Non, mais pourquoi ça vise pas? Silence! Le jeu. Trop loin. C'est impossible de gérer le machin pour que ça glisse le long du... Ça me semble difficile, quoi. Si c'est ça que le jeu attend de nous, c'est super bizarre. Trop loin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être la ralentir à un moment, mais... Il fallait que je me mette là pour... Ah, on va y arriver. C'est bon, t'es plus ralenti, allez, avance. Est-ce qu'elle va continuer à rouler? Oui. Je peux pas aller là-haut, c'est... Ah si, je peux. On va réessayer encore. Là, je me positionne bien. Parfait. Ça a intérêt à falloir le coup. De la vie, bien. Alors, ça vaut le coup. Bon, ok, ça valait vachement le coup en fait. On n'est pas venu pour rien. Vu comment je m'en sers beaucoup souvent de ces trucs, on n'est vraiment pas venu pour rien. Bon, est-ce que je réessaye le gros crapaud? Pas sûr que ce soit une bonne idée, hein. On va d'abord aller méditationner. C'est une bonne idée ce que je viens de faire là. Ah, ça sauvegarde. Il était où le crapaud? Même pas sûr de pouvoir y aller là où il était en fait. Il était là-haut. Super chiant parce qu'il faudrait que je passe par là. Non. Mais là en bas il y avait un truc à faire. Le crapaud on peut le faire sur le retour. Là il y a un machin qu'on peut faire. Il suffit que j'aille... par là, ça tient bien par là. Hop. L'interconnecteur doit être réparé pour faire. Mais j'ai mis le mode de surcharge, ça suffit normalement, non? Ouh la grosse bête là-bas toujours. Je suis bien content qu'on puisse pas y aller sur cette grosse bête. La place. Saleté. Voilà. Donc, ici. Y'a pas quelque chose là-dessous? On a déjà vu ça, me semble. Ah oui! Fallait que je trouve le moyen de descendre ça proprement. Je pense qu'on va faire comme ça. Voilà. Ah, ouh, y'a un truc là qu'on a dû rater la dernière fois.
Parce que j'étais tombé un peu vite. Un peu. Et voilà. Encore de la vie ? Oui ! C'est la collection. Hop, dans l'oreille. Est-ce qu'il y a une compétence pour qu'il les drop plus vite quand on en a besoin ? Oh, il y a un truc là-bas aussi. Raccourci débloqué, c'est ça ? Ouais. Le truc là-bas, comment est-ce qu'on peut faire pour y aller ? Non, je pense pas que ce soit par ici qu'on puisse. Par contre, là, si je descends... Ouais, c'était pas... Hop. Hop là. Le truc là-haut, ouais, c'est pas par ici qu'on va s'en préoccuper. C'est par où que je vais ? Là, le pont, je peux le pousser. Alors, se push ! Pas de bestiole. L'interconnecteur doit être réparé. Où va-t-on ? C'est nouveau, ça ? Alors, je vais aller d'abord pas par là. Parce que ça a l'air d'être une descente. Je peux aller par là ? C'est sûr le jeu ? Alors, je vois bien les lianes en bas là, mais je sais pas comment m'y accrocher. J'ai raté cette leçon. Je sais pas comment descendre normalement. C'est con, hein. Puis de toute façon, je vois même pas où ça m'en permettrait d'aller. Je saute juste. C'est de l'eau. Bon. Je pensais que c'est du vide. Je me suis dit, oh putain, mais c'est pas possible. Non, non, c'est de l'eau. Du coup, on s'en fout. Donc, il n'y a pas de gros poissons qui viennent me bouffer. Tout va bien. Hé hey. J'ai un passage clandestin qui vous ressemble vachement. Quel goût vous avez ? Oh pardon, non, non. Ce sont des gentilles créatures amicales. Ne bouffe pas les gentilles créatures amicales. L'interconnecteur dans ta... Ok, je sens que j'ai débloqué un truc qui ne sert à rien. Hein. Et peut-être un raccourci par ici. Ouais. Bah, c'est bien, vous me direz, hein, mais... bon. Donc là, une porte qui ne peut pas s'être ouverte. Là, il y a un truc qu'on n'a pas fait et où qu'on pourrait faire quelque chose. Alors, je suis pas dans la bonne direction, c'est à ma droite, c'est là. Ah. Là. On va passer là-dedans, ça s'ouvre. Et on va méditer. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas perdu de vie, je suis un peu perdu, j'avoue. C'est... J'ai pas l'habitude. Le crapaud est là-haut, mais on va pas faire ça maintenant. On va aller voir ça. On va d'abord aller voir là-bas. Hop là. Et puis ensuite, on ira voir là-dedans. À mon avis, c'est possible aussi parce qu'on a le ralentissement, donc ça va. Mais... Ah. Ouais. Des bestioles. Pas la sortie du crapaud, ça, tout simplement. C'est ça. Donc on va pas y aller par là, parce que le crapaud, si je le prends d'en haut, je peux lui enlever un bon tiers de sa vie. Et genre comme ça, quoi. Donc on va le faire après. On va aller voir là-dessous, d'abord. Alors comment est-ce que j'y vais sans me vautrer comme un sac ? Comme ça. Voilà, on va vite passer. Ça c'est une boule Zepho encore. Et on peut pas la pousser. Là. Alors, qu'est-ce que je vois ?
Un truc où je pourrais sûrement pas passer sans me faire broyer. Bien. Un truc qui me permettrait de remonter sur le tuyau. Que la carte me dit quelque chose d'intéressant, non. Non. Ok, il faudrait peut-être que j'arrête celui qui est devant plutôt. Voilà. Je pensais que ce serait de l'eau plus profonde. Écho. Ça sent le... oublier ça. The Jedi used this place to study the sphere above. I can still feel the excitement. Le Jedi, tu connais son nom, hein. Bien. C'est tout. Non, parce que c'est sympa, mais bon. Après, un tiers de point de force, c'est pas mal. Ça, c'est la sortie. La boule, on peut rien y faire. Là-haut, il y a quelque chose. Mais on peut pas sauter aussi haut pour l'instant. Bah, m'étonne, tiens. Tant qu'on va encore devoir revenir. Hop là. Voilà. Hop là. Bon, ma crapaud, hein. Méditation, bien sûr, avant. Toujours. Juste là. Non, c'est... Je me suis pas encore fait au stick, hein. Faut appuyer pour valider. J'ai OBS qui pédale un peu dans la choucroute. Là. Bon, c'est pas très grave. Genre le jeu est peut-être un peu plus coûteux au niveau disque que Isaac. Alors peut-être que je fasse l'enregistrement sur un disque dur de meilleure qualité. Genre sur le SSD. Donc là, je sais qu'il y a le gros crapaud, je sais que je peux lui tomber dessus par ici. Rien. Voilà. On va faire ça tout de suite, hein. On va éviter les problèmes. Sale bête. Ouh là là là. Il est presque mort. Raté. Ah. Encore son attaque qui met 3000 ans. S'il attaquait plus vite, j'aurais moins de mal. C'est fou, hein, ce stade. Allez, les temps de chargement ont raccourci parce qu'on a appliqué le patch. Mais il était presque foutu là, je suis sûr que c'est jouable. J'aurais peut-être dû plus me concentrer sur la fuite que sur la prise du steam pack. Voilà, on peut faire ça direct. Donc, on recommence. De toute façon, là on va lui tomber dessus, on va récupérer un bon bout de notre XP. Ok. Right here, BD. On va refaire ça. Encore. BD, here. Ah, j'ai bu tous mes steam packs d'un coup, quoi. Mais arrête de sauter Another step. Je
Et voilà. Ouh. Salut Ogdo Bogdo. Crève. Bon d'accord, il m'a fallu 4 steampacks pour y arriver alors que j'en avais 3 la dernière fois et moins de vie. Et voilà. Bien sûr. Le Bogling s'est battu contre une bestiole beaucoup trop grosse pour lui. Faut bien l'avouer. Oh, un peu de lumière s'il vous plaît. C'est pas par là que je passe. Ah si. Et voilà, et on revient où on était tout à l'heure, je pense. Bon, du coup, j'ai pas réussi à faire l'attaque par le haut, mais c'est pas grave. Je m'en remettrai. Certainement plus rapide de faire ça. J'ai vu tout à l'heure, mais j'hésitais à me dire est-ce qu'on peut le faire. Oh là. Eh, on est presque pas trop mort. Alors, une fois, ça va. Avec une barre de vie 2 fois plus grande et 2 fois plus de steampack. Tout va bien. Alors, compétences, 1 point. Il y a plein de trucs dans lesquels j'ai déjà mis des compétences dont je me sers pas. Mais bon. Faut 2 points pour ça. Faut 2 points pour ça, il faut 1 point pour ça. Vous savez quoi, la force c'est bien d'en avoir plein. Pour utiliser les gros coups. On va faire ça comme ça. Donc bah je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour l'instant sur cette planète. Je vois plus de porte verte. Je vois une porte jaune cela dit. Ah oui, il y a du jaune, il y a du jaune. On va aller jeter un œil au jaune. Voilà. Je pense que c'est aussi un raccourci encore, mais... Ils sont solides les machins. Hop là. Comment est-ce qu'on descend sans se casser la figure? En suivant l'escalier. Ils sont pas agressifs, mais ils sont un peu envahissants. Bon, ils sont chez eux, je les envahis, bon d'accord. Hop là. Dès qu'on saura nager, on reviendra. Je pense qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Et donc là, il y avait une glissade qui nous ramène probablement où on était avant. Oh. Et peut-être pas. Hein. Oh. Qui est-ce que c'est? Un gros crapaud? Bones. Oui. Bravo. Yeah, but they're incredibly old. Can't tell much from them. Voilà. Oh, cette parade réflexe, magnifique. On dirait les grosses vaisseaux que je cherche. Là. Les Zephos ou je sais pas quoi. Bon bah un peu de lore techniquement. Et ensuite on revient où on était. En reprenant la chute. Oui, hop là. On va éviter de faire ça parce que ça tourne. J'ai peur qu'à un moment il saute dans le vide. Parce que comme il est un peu couillon, il fait ce qu'on lui dit, le perso. Ah, le deuxième était peut-être pas nécessaire. Alors il y a un gros crapaud aussi. J'ai pas envie d'aller tuer parce que j'ai pas assez de vie, mais... On va d'abord s'attaquer à machin... Je crois que lui il s'en va et que c'est scripté en fait. Il s'en va, il s'en va pas? Y'a pas beaucoup de place pour se battre là. Mmh.
plus assez de force. Et voilà, encore pareil, l'attaque qui met 3000 ans. Et voilà. Bon, c'est un petit, hein. Celui-là, il est pas menaçant. Dommage. Je voulais voir si on pouvait pas courir sur le mur pour essayer de l'attaquer en sautant le truc, mais on pouvait pas. Donc, c'est où mon vaisseau? Ben, par là, techniquement. On va pouvoir y retourner parce que j'ai débloqué les raccourcis. Hop là. Hop là. Hop là. Par là. Je pense. Ça monte. Ouais, c'est ça. Hop là. Voilà. Pas de soucis. Le truc là-bas, on peut pas y aller pour l'instant, je pense, à moins que... Il décide quand il veut de courir sur les murs, lui, hein. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas les stries qu'il faut, mais bon, quand même. Il aurait pu au moins me laisser essayer. Donc non, clairement, là-bas, c'est pas pour tout de suite. Mais il y a un chemin derrière, donc je pense qu'on pourra y revenir par une autre porte. Ah, chiant de faire le tour. Ah. Ok. Donc, ben, cassons-nous d'ici. Hein. On est venu, on a un petit peu visité, et puis c'est tout. Ok, toi. Il reste une petite bestiole, hein. Faut pas non plus trop trop t'y croire. Hein. Je me demande si on peut tuer la faune locale. Enfin, celle qui est pas agressive. Pas de l'XP. De l'XP facile. Non, on peut pas. Donc de l'XP pas facile. Vu qu'il n'y a plus rien à faire spécialement par ici, je pense que je vais juste... Elle est sur la prochaine planète et blablabla. Un connecteur doit être réparé. Je me demande à quoi sert le compagnon. Probablement à rien. Mais bon. Attends. Allez, un petit sprint. Et voilà. Alors. Normalement, il y a le capitaine qui devrait faire la gueule. Too quiet. Not a fan of nature grease? Only behind glass. Otherwise, nature's not a fan of me. I mean, I may have four arms, but if you haven't noticed, I'm basically bite-size for most deadly creatures. On a des nouvelles plantes. Ah, ça pousse. Non, défilé. Ah, ouais. Ouais, bon, c'est pas transcendant. So you and Sierra have been here a few times. Oh, we've been all over the place. Non-stop tour of the galaxy with her. But she's paying the bills, so I can't complain, really. Better than hiding on a scrapyard for years. Oh, that I can agree with. I've seen trash heaps before. Merci. And that planet was the trashiest. I can't believe anyone would... Sorry. Mm-hmm. You're not wrong. Par contre, il parle pas de la bestiole. Ah. Elle est où ma bestiole? J'ai libéré une bestiole, je veux savoir où elle est. Alors peut-être que je me repose avant le prochain, vous savez quoi? J'ai plus qu'un Steam Pack. Hop là. Donc je vois pas ma bestiole, ça m'embête. Le jeu m'a clairement dit retourner au vaisseau et blablabla bestiole. Passager clandestin, tout ça. Y a
pas l'autre non plus, cela dit, donc c'est peut-être dehors. Attendez. Donner, voilà. Peut-être pas donner, tactique. Non, les points de chose, c'est, ça va toujours pas être possible. C'est fou ça. Je vais faire le tour du vaisseau vite fait, puis si je trouve rien, on décolle et puis voilà. Hein. Hop là. Prends ça, Bouic. Un gros vaisseau quoi. Je pense qu'il y a serré machin là, on la voit pas non plus. Ok. On pourrait croire qu'on pourrait passer là, hein, mais non. Vous voyez pas ça. Bon bah on va se casser puis on verra s'il apparaît plus tard. Hmm. C'est quoi ce... Un truc qui fait du bruit. Se casser, c'est par là. Attends. Je suis presque sûr que je l'ai vu en dessous. Mais... Presque sûr que je l'ai vu en dessous. Vous êtes ici. Donc, on a ça qui est la mission principale, toujours. Ça qui est probablement encore pas du tout faisable, et ça qu'on en vient. Et on avance, hein. 4 coffres sur 16, c'est ridicule. Zepho. On a déjà exploré Zepho, c'est là où il y avait un village. Un village de gens qui se sont fait meuler. On y retourne maintenant qu'on peut accéder à plus de choses. Hein. Ah oui, il y avait ça, c'est vrai. Heard about a high-stakes game from one of Saw's fighters. A few extra credits couldn't hurt, you know? Gambling? Grease, use your head. One of these days, the Haxian Root is going to catch up with you. Those slubs? I'll hear them coming from a parsec away. I don't need your gambling habit causing us more trouble with murderous criminal syndicates. You're right, I know it. I just want to blow off some stress every once in a while, you know? Anyway, all of that is in the past. I'm sure it won't be. Je suis sûr que ça va être un problème. Get over here, kid. We're about to land. On peut pas atterrir si je suis pas assis dans une chaise. Bon, au moins il n'y a pas un blocus de l'Empire. Ouh. J'ai surpris que les TIE Fighters là ils nous aient pas descendu. Hein. J'ai surpris d'ailleurs. Grâce à mon choix de peinture. Alors, est-ce qu'il y a des gens à qui parler? Est-ce qu'il y a des bestioles cachées? Ah, que dalle. Allez hop. Examinez la statue. Cordova must have spent a lot of time here. Cordova spent his life studying the history of the galaxy in many different places. Et pourquoi je parle au PNJ? Dragged me along on a few expeditions. It was educational. You really believed in the past? He believed in the future. But you can't have a future without the past. Merci Bouddha. Ça, c'est bon, c'est foutu. Oh! T'es jamais ouverte, toi? C'est triste, ça. There was something in there. Blue Leader. Oh, ça peut être sympa, ça. Ouais, c'est bien bleu. C'est essentiel pour avancer dans le jeu. Revenons à notre mouton. Là, il y a un passage que je n'ai pas pris. Là, il y a des passages que je peux ouvrir. Là, je peux pas. Là, je peux. Ouais, il y a plein de passages, quoi. Le plus près de là où on est, qu'on pourrait faire, c'est...
Bah là, ce truc jaune, bah, j'y ai pas été en fait. Sauf que je sais pas comment on y accède, ça va pas l'air d'être par là, quoique. On va passer par cette porte et puis on va voir où ça nous mène. Ah, des bestioles. Non, mais ça va, oui! Ouais, c'est ça, ouais. I got this! Le gars, il a pas vu que c'était un Stormtrooper, quoi. Je suis quand même pas rassuré de voir ces machins voler, moi, mais bon. I've really stepped it up. Are you in Greece safe? You worry about the mission. I'll worry about keeping us off their radar. We'll be fine. Hop là. On va les laisser se battre un peu. Ouais, ça va pas suffire. On va passer par là d'ailleurs. Cacher un peu. Ah ok, on est au bon endroit. Je sens que je vais devoir me battre contre tout le monde. Ça va être un peu fastidieux. Oh, t'aurais pas dû faire ça, toi. Am I the only one gonna fight? My time to shine. Toi aussi, t'aurais pas dû faire ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, là-bas 2. 1 maintenant. Bien. Donc maintenant qu'on est un peu tranquille, faut que j'arrive à monter là-haut. J'arrive à monter là-dessus, on peut ensuite, par là, utiliser la petite poursive de tuyau. Et... ça n'a pas l'air d'être par là, non. Il y a là, les tuyaux. On va bien trouver par où monter. Peut-être dans l'autre sens. Merci. Ouais, ça doit être par là. Oui, c'est plus une menace, ces gens-là. Je ne m'en préoccupe plus. Il faut que j'arrive à monter sur ce bâtiment. Peut-être qu'en allant plus loin et en revenant ensuite. Même pas pour rire. Aha! Quoi? Non, non, non. J'ai pas peur de vous. Voilà. Parfait. C'est qui a dit que j'avais peur? Ouais. C'est ce qui me semblait. Donc. Hop là. Et donc là, j'ai pas été. Je pense que c'est un truc que j'aurais pu faire dès le début en fait. Avec un point de sauvegarde au milieu. Évidemment. Du compte avant, hein? Pardon. Ah oui, j'ai fait le. Raccourci vers. Oh oh. Enemy contact, prepare yourself. Got it. I've got him. Non mais, j'ai roulé là! PD, stim! J'ai voulu faire une roulade, mais ça l'a fait dans le mob. Voilà, on a réglé le problème des autres derrière. Habitable sway.
sufficient power. Unproductive human. Mais je suis où là en fait? Ah ok, c'est juste l'entrepôt qui était devant le spawn. D'accord. Bon, c'est bien hein. Par contre le robot, j'ai essayé de rouler, ça m'a fait rouler dedans. C'est pas très pratique. En fait j'ai du mal à voir à quel moment c'est utile, le jeu pourrait m'éviter ce genre de choses, ça me dérangerait pas. Ça? C'est quel sujet? Voilà. Du coup. Achoum. Du coup, par là-bas. Il y a un pont qu'on peut pousser. Il y a personne à gauche. Très bien. Comment ça, non mais où? Ok, c'est. Un peu à sens unique cette histoire, mais ça me dérange pas. L'interconnecteur doit être réparé pour blablabla. C'est con, je me suis approché d'un pas de trop quoi. Oui, j'ai peut-être gaspillé un peu de la force sur eux. Mais en même temps, ils l'ont bien cherché. Donc on va monter là-dessus et ensuite il faut aller plutôt vers la droite ou vers la gauche. Bah plutôt vers la droite parce qu'à gauche ça revient en arrière. Les... Bah ça va, on va pas méditer tous les 3 mètres non plus. Alors là, je crois que j'ai ouvert un raccourci déjà. Là, par contre, je suis pas pressé de retomber sur l'autre. Enfin, des Jedi, du coup, mais c'est les utilisateurs de la force, quoi. Voilà. Mais non mais... Affronte pas les gens dans le vide enfin, imbécile. Il a essayé d'attaquer l'autre qui est plus là quoi. Éteint. Bon. On avait dit de l'autre côté très précisément. Ouais, je suis pas pressé de retomber sur l'autre qui m'avait mis la misère une fois ou deux. Là, je suis sûr qu'il y avait moyen de choper un truc en fait là-haut. Quasiment sûr. On peut aussi faire ça comme ça. Ah non, c'est peut-être juste pour remonter en fait. Oui, effectivement. Je peux pas retourner les missiles. Du coup, je vais avancer. Ok, what? Ça me sert de pouvoir faire ça. À mourir. De Jedi caché à travers la galaxie. Alors je vois où je suis à peu près, ça va être chiant parce qu'ils sont toujours là. Coucou. Merci. Voilà, le but c'était de flinguer les Stormtroopers en amont. Et toi aussi.
Non, parce que les Stormtroopers ils tapent à distance, c'est chiant. Vous allez voir. Vous voyez qu'il faut réparer l'interconnecteur. Je m'en doutais. Donc là, il y a un mur ici et il y a une machin là. Alors le mur, clairement, on peut le faire maintenant. J'ai envie d'aller voir ce machin là, quoi que ce soit. Déjà parce que point de méditation. Il n'y a pas le Stormtrooper pour me tirer dessus. J'attends d'avoir deux points de compétence. Il est où l'autre qui m'avait tiré dessus? Il est là-haut. Et là, en haut, il y a ce machin. Ok. Le jeu me dit que c'est un truc interactif. Sauf que c'est trop haut, je peux pas y arriver. Comment est-ce qu'on fait pour passer là-haut? Pour faire tout le tour, c'est ça? Ouais, manifestement, il faut faire tout le tour. Donc on va pas faire ça maintenant. On va juste débloquer ce passage-là. Oula. Ça a vachement l'air impérial derrière, quand même. Wasn't expecting this. It's a giant Zepho statue. Kind of thought there'd be Zepho stuff inside. Ouais, j'avoue, moi aussi. De la vapeur. Il est passé où mon petit BD1 là? Il est là. Ouais, ça fait vachement empire là-dedans en fait. Oh. Est-ce que je vais réparer l'interconnecteur? Oui. Eh ben voilà. Ok, il y a toutes les planètes à refaire maintenant. Comme dans tous les bons Metroidvania. Ou Metroid tout court en fait. Hein. Quand on y repense. Au niveau gameplay, un Metroidvania. C'est un jeu Metroid avec des éléments de gameplay de Metroid. Et un look de Castlevania. Parfait. Non mais oh! Ennemi, le doux ennemi. Ah oui, moi, merde. C'est vrai. J'oubliais, pardon, excusez. Oh. J'ai un peu yoyoté là sur ta gueule. What the tot. Ok. Je suis pas sûr de tout comprendre. Je crois qu'on a réactivé une foreuse. Ah bah oui, forcément. Hop là. Ah, c'est un ça. Et voilà. C'est pas bruyant votre truc là. Ah. Ah, ça monte aussi haut que la voix sur l'enregistrement. On va essayer de sortir d'ici parce que c'est très bruyant. Parfait. Bien. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Oh, mais on est déjà passé ici il y a longtemps. Donc c'est pas vraiment intéressant qu'on s'embête à le refaire. Sauf s'il y a des portes. Ah putain, il y a tous les trucs qui sont en vert maintenant, forcément. On va aller juste aller faire celle-là. Parce que j'ai envie. J'aurais peut-être pas dû descendre. Ouais, c'est pas grave. C'est juste un coffre. Faut vraiment que je me renseigne s'il y a des combinaisons plus intéressantes que d'autres. Ou juste s'il y a des combinaisons intéressantes en fait.
Très pas mal. Donc là, on va aller tout droit. Tout au bout, il y a une porte. On ne pouvait pas ouvrir avant. Et que maintenant, on peut ouvrir. Endurance infinie. Il court bizarrement quand même. Il n'y avait pas des Stormtroopers ici avant. Ah. Là, on a accès à tout en fait avec ça. Job done. Over here, BD. Raté. Les deux sur les côtés, ils ont vraiment pas réagi vite. Donc là, j'ai plein de boutons partout. On va commencer par celui-là parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un truc cool. Oui. Do not concern yourself with a missing artifact. I'll deal with it personally. Elle est pas morte, elle. Il me semble que c'est celle qu'on a trouvée perdue en bas. Et je vais probablement m'arrêter là, bizarrement. Ce qui veut aussi dire qu'on peut méditer et recharger notre vie, parce qu'en revenant, de toute façon, il y aura tout le monde. Donc ouais, je vais m'arrêter là, parce que ça fait 50 minutes et que ça fait une bonne vidéo. Et puis c'est tout. Voilà. Oui, ça finit un peu en... Enfin, il n'y a pas eu d'événement majeur sur la fin. Oh, techniquement, on a débloqué le... interconnecteur. C'est pas mal. Mais bon, après, voilà, ça nous permettra de commencer directement dans ce qui ressemble à une grosse base de l'Empire, ou une petite base, peu importe. Et on aura sûrement du grain à moudre, comme on dit. Allez-y.